Oh non, non, je suis mort. J'arrive pas à m'amuser quand je perds pas, enfin quand le bout de ma session se perd, que je vois que je suis une grosse merguez comme ça. Apparemment je commence à me chauffer. Apparemment je commence à me chauffer un petit peu ouais. C'est la merde. Attends, j'ai plus de mine, j'ai rien gros. J'y retourne, tu vois. Avec mes 13 balles. C'est vraiment gavé là. Oh la vache. En vrai, quand t'as un shoot des merdes, les mecs ils se disent oh c'est bon. Oh, on se calme là. Une machine de guerre frérot, what the fuck. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais là 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 là. Je me suce la teuf, je me suce la grosse bateau gros, qu'est-ce qui se passe. Non non, top phare. Ça me push, attends. Comment ça gros. Putain. Faut mettre les moves. Heureusement que t'avais 45 balles frérot, hein, je te jure. Hein. Pour ce qui est des paramètres manette, parce que c'est pour ça qu'on est là, nom de Dieu, on a du coup les gâchettes qui ne sont pas modifiées, c'est-à-dire ça je ne sais pas ce que ça fait, n'y touchez pas. Inversé L1, L2 et R1, R2 avec, moi voilà je joue en claw, du coup c'est beaucoup plus facile pour moi d'atteindre le R1 pour tirer et de passer du R1 au triangle. Vibration manette 100, ne jouez pas avec les vibrations, c'est du troll, à part si je mets vraiment bien ça, mais le truc c'est que ça vous donne une information un petit peu inutile pour le cerveau. On a du coup la 106 13, voilà, moi j'utilise la 106 13, là pour faire des petits moves, je kiffe bien bien bien. Pour ce qui est de ce que vous devriez faire, jouez avec la sensibilité la plus basse si vous commencez. Si vous voulez vraiment vous amuser, vous avez beaucoup d'heures de jeu et tout, allez vous entraîner sur la 106 13, c'est assez rigolo.
et vous allez pouvoir sortir des beaux petits moves, mais vous pouvez faire des moves de dingue aussi avec une sensi plutôt basse, genre une sensi 6 ou 7 ou 8. En tout cas, tous les joueurs pro utilisent une sensi entre 5 et 8 à peu près, même peut-être 4 des fois ils utilisent. Mais voilà, je vous conseille de pas aller au-delà de ça. Pour ce qui est du visé, moi je mets 20 nids, sprint tactique, automatique. Ah non, ça c'est quoi? Ça j'ai pas touché, je ne sais pas ce que ça fait, donc n'y touchez pas. Sprint automatique, moi je prenais sprint tactique automatique, maintenir, viser plus corps à corps. Priorité à l'interaction si vous jouez à Warzone, si vous jouez à Modern Warfare 2, ne faites pas ça. Commande plaque d'armure, moi je vais tout utiliser, c'est plus pratique. Pour ce qui est de l'aide à la visée, si évidemment ça c'est les massistes, mettez là. Type d'aide à la visée, il y en a qui mettent Black Ops, apparemment c'est très bien, moi je m'en balais d'Aklaoui comme on dit souvent. Aide à la visée, on a avec bien évidemment. Vous type de course de réponse de visée dynamique, ça c'est très important. Faites ça, utilisez dynamique et pas linéaire. Parce que si vous avez une sensibilité basse et que vous êtes en 6 et que vous mettez linéaire, bah juste vous mettez 50 ans à vous retourner, c'est pas possible. Du coup bref, là ça fait que plus vous allez tourner votre joystick fort, et ben plus vous allez augmenter votre sensibilité. Et bref, ça va vous permettre de faire des petits moves bien sympatoches. On a quoi? Transition de sensibilité en visant ça instantané. Sensibilité personnalisée pour chaque zoom. Moi, je suis en x0,80. Donc voilà, c'est quand vous êtes en sensi 13. Si vous avez une sensi plus basse, je vous conseille, genre par exemple 6, je vous conseille de mettre un 0,90, 0,95, voire de ne même pas y toucher. Zone mort des mouvements, ça dépendra de votre manette. Moi, j'aime bien mettre un 0,10 pour la sensi 13. Mais si vous êtes en sensi 6, par exemple, en sensi basse, je vous conseille de mettre un 0 point, le minimum que vous puissiez faire, tant que votre joystick ne drifte pas, parce que voilà, quand vous avez une vieille manette, le joystick a tendance à un peu drift. Voilà, le joystick gauche, bah, c'est la même chose. Hein. Moi, je mets le minimum possible parce que là, par contre, c'est même pas une histoire de sensibilité, mais c'est juste que bah, vous allez pouvoir bouger le plus vite possible et votre manette va pouvoir réagir le plus vite possible. Oh, pardon. Alors ça, mettez tout en 100, c'est important. Et j'ai aussi un truc qui est très 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 important, c'est inverser, glisser et plonger. Selon moi en tout cas c'est important parce que plonger c'est plus efficace que s'allonger. Enfin, je vous conseille d'utiliser le plongeon que pour vous mettre à couvert et pas pour pusher des trucs parce que vous avoir un gros moment de flottement quand vous plongez, après le plongeon pardon. Et du coup bref, ça va faire que vous allez vous retrouver dans des situations où le mec il a juste à vous défoncer la gueule et vous pouvez absolument rien faire. Mais par contre pour fuir c'est hyper intéressant. Pour ce qui est des glissades et tout, moi j'aime bien mettre des petits moves quand même. Ça peut perdre quand même l'adversaire mais c'est quand même ultra risqué. Et c'est pas le truc en vrai de vrai le plus efficace, je vous conseille de faire des petits bunny hop. Donc plonger sous l'eau, plonger librement j'ai mis mais en vrai je ne sais pas. Auto-déploiement du parachute, ça évidemment mettez 100. Ça vous permettra de mettre le parachute quand vous avez envie et pas 20 mètres au-dessus du sol et que les adversaires puissent vous défoncer. Enfoncement de porte, évidemment, mettez avec. Ça, c'est un point ultra important. J'en parlerai dans ma vidéo tutoriel pour les mouvements. Franchissement, suspension, avancer pour franchir. Ça, moi, j'ai vu ça. Ça a pas mal changé la donne. En fait, ça permet de, quand vous êtes voilà, comme un gros débile comme ça, là, vous avez juste à mettre le joystick vers l'avant pour grimper l'obstacle. Et ça me fait gagner pas mal de temps parce que cette mécanique est vraiment à chier. Pour ce qui est de la manette en elle-même les amis, j'utilise la DualShock 4 de chez Sony. Tout ce qu'il y a de plus simple, 50 balles, voilà, on utilise avec ça les fixations dorsales en palette. Ça vous permet que si jamais la manette est morte, bah, vous avez encore les petites palettes que vous pouvez juste changer. J'ai en plus de ça le Control Freaks ici qui est vraiment sympa pour la visée. C'est du confort. Moi, j'aime bien. Je le lâche plus maintenant. Si vous voulez l'acheter, faites-le. Ça ne changera pas votre vie, mais c'est très agréable. Voilà. À 400 likes sur cette vidéo, je fais péter une vidéo tutoriel sur comment s'améliorer pour les 1v4, comment voir les stratégies du 1v4, comment gérer aussi son aim, comment s'améliorer, comment voilà, s'entraîner sur le jeu. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je lis absolument tous vos commentaires. Donc si vous avez des questions, des trucs que j'aurais oublié dans la vidéo, n'hésitez point les amis, j'en suis là. Attends, on se retrouve tous les matins sur Twitch à partir de 7h. Et puis des fois même le soir pour des petits tournois. Voilà, des gros poutous partout. Mouah.